C'est parti pour une petite aventure. Ah. Sympathique. On part où là? On va partir où en mer? Où est-ce qu'on part aujourd'hui? Ben, nous partons sur la côte ouest de l'île. Comme c'est un petit peu plus calme, on va y aller vers là-bas. Les choses sont bonnes pour pouvoir aller là-bas. Voilà. Voilà. Alors vous avez tous les deux une histoire un peu différente. Toi, Jean-Michel, t'es devenu pêcheur un peu de père en fils. Peut-être d'être des Iraniens et d'avoir une famille de pêcheurs. C'est par ton père, c'est par des oncles? C'est par ma mère, du côté de ma mère. D'accord. Que j'ai pris ça. Tous mes oncles et tous mes cousins, ils étaient tous pêcheurs. Alors du coup, j'ai été plongé dans le bain de plus jeune âge du moins. Et toi, Dominique, tu es arrivé à la Désirade, c'est un retour aux racines, mais... J'ai toujours aimé la mer. Parce que j'ai commencé à plonger, j'avais 10 ans. Mmh. Et en fait, en venant à la Désirade, ça m'a permis de faire le métier que j'aimais, quoi. J'ai toujours aimé, mais bon, c'était enfoui. Et puis voilà, c'était l'occasion pour moi. Parce que c'est la liberté avant tout. La mer, c'est la liberté. Différentes techniques de pêche, bon, t'as la traîne. Donc le but, lorsqu'on fait la pêche à la traîne, c'est de donc trouver ce qu'on appelle des bois. Donc ça peut être un tronc d'arbre, un bout de casier en plastique. Et donc, comme les poissons gravitent autour, donc une fois que vous avez repéré la frégate, tac, faut chercher en fait l'objet. Et voilà, à ce moment, on lance les lignes, on traîne. Et bon voilà, hein, on peut tomber sur du tazar, sur de la dorade, ce qui est très recherché d'ailleurs. À la mer. Allez les hommes, j'ai faim moi, je veux pour un barbecue ce soir, du bon poisson. Merci.